Monsieur le secrétaire général à la pêche et l'élevage. Monsieur le coordinateur, le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte de la COVID-19 et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, NEDER. Monsieur le directeur général de l'ICCN, ici représenté. Madame la directrice de la Bobette. Monsieur le directeur du Centre, mesdames, messieurs, en votre titre de qualité, chers invités, beauté, beauté, cosa mala, cosa bien, la CPMI, mon aïe, mon abino, qui sauté. L'Agence japonaise de coopération internationale, le JICA en sigle, que j'ai l'honneur de représenter en République démocratique du Congo, se réjouit en ce jour du lancement des activités de surveillance de la COVID-19 dans le secteur des animaux, dans la ville de Kinshasa, et de la remise du matériel pour cette activité. Cette intervention est une des activités du projet de recherche épidémiologique sur les infections virales zoonotiques en Afrique, qui est dans le cadre de Carmenaria, de recherche scientifique et technologique pour le développement durable entre l'INERVE, la Bobet, en RDC, et l'Université Hokkaido du Japon. Ce projet vise à renforcer la capacité de recherche et de développement autonome dans la lutte contre les infections zoonotiques virales émergentes et réémergentes comme maladie à virus Ebola et COVID-19. Depuis la fin de l'année passée, le monde, y compris la RDC, est secoué par la pandémie de COVID-19. Une nouvelle zoonose qui démontre encore présentement l'importance des interventions holistiques et intégrées pour assurer la sécurité sanitaire. À travers cette activité de surveillance animale de la COVID-19 sur le terrain dans la ville de Kinshasa, tous les membres de chercheurs japonais, tous les membres d'équipe de chercheurs japonais aussi s'engagent de collaborer aux côtés de l'équipe congolaise pour le renforcement, la consolidation de l'approche One Health avec l'implication du ministère de la Santé, de pêche et élevage, ainsi que l'environnement, d'autant plus que la coordination multisectorielle est une des clés essentielles du succès de résolution de la problématique de zoonose virale. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma satisfaction et d'encourager tous les acteurs et toutes les parties prenantes engagées dans le diagnostic du COVID-19 au sein de la Bobette et dans la surveillance de la COVID-19 dans le monde animal, en harmonie avec le comité multisectoriel du poste de la COVID-19. Pour terminer, je voudrais vous rassurer que la JICA est mieux engagée à vos côtés pour assurer la sécurité sanitaire en RDC, plus particulièrement dans la lutte contre les zoonoses comme la COVID-19. Que vive la coopération Japon-République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. Matin de minuit.